Alors, attention, 3, 2, 1. Yes, bonjour. Oh là là, cette coupe. Ah, je disais, il faut que j'aille chez le coiffeur. Ça, c'est des bons avantages qu'il y a le matin. Quand on doit se mettre en face de la vidéo, c'est qu'effectivement, on voit sa tronche, on se dit, oh là là. Et là, oh là là. Ah, ouais. Ah ben oui, ça c'est. J'ai rendez-vous cet après-midi pour me faire enlever les fils. C'est pour ça que c'est pas très. Mais on voit pas. Allez. Donc, merci à ceux qui me suivent le matin, qui me motivent pour le faire. Là, pour la troisième jour nuit, on est resté au même endroit. Et ce qui veut dire qu'on est toujours en pente, comme ça. Pour moi, c'est un peu plus difficile que d'habitude, justement, de faire du travail d'équilibre. Et c'est exactement à ça, bien sûr, que j'ai dit que j'allais faire. On va travailler un petit peu l'équilibre quand c'est en pente. Et puis, deuxième chose que j'ai constatée ce matin, c'est que j'ai le genou droit. Là, j'ai reçu un, je sais pas quoi, bref, j'ai mal au genou ce matin. C'est-à-dire, moi, je vous propose toujours d'écouter votre corps, d'écouter où vous avez mal, vos petites douleurs, il faut les écouter. Faut savoir les repérer et puis après faut les apprivoiser hein, parce que des fois on peut pas forcément les faire disparaître mais il faut plus ou moins les apprivoiser et non pas toujours oh, j'ai mal au genou non non ça c'est pas bon pour le moral. Alors je vais donc du coup je me suis dit je vais travailler un petit peu les genoux un petit peu l'équilibre et ben, je cherche après, dans l'enchaînement qu'on fait ensemble tous les jours, quels sont les différents mouvements que je peux prendre pour pouvoir travailler la partie du corps qui, ben, ce matin, me fait plutôt mal. Par exemple, Jacqueline, son souci, c'est les poignets. Donc, quand on fait des mouvements avec les poignets, c'est, voilà, il y a des jours où elle a plus mal, moins mal. Donc, c'est ça, on écoute nos petites douleurs. Et on les apprivoise, on les travaille. Donc, on ne travaille pas ce matin la synchronisation ou on ne travaille pas non plus les mouvements. On va voir comment ça se passe pour l'équilibre. Voilà, on y est. Parfait. Il faut que je mette. Voilà, comme ça c'est. Alors, l'équilibre, j'ai également la deuxième. C'est bien la ligne jaune pour les chaussettes. Hein? On voit bien comme ça. Yes. Donc, comme vous le voyez, je vais mettre la caméra. Parce que ce qui compte, c'est de faire travailler les genoux. Donc le genou droit ici, c'est le genou qui fait mal. Et c'est là où on doit travailler ce qu'on appelle les rotations et les mouvements qu'on a l'habitude de faire quand on est en bonne période et que lorsqu'on a une douleur quelque part. On sent comment on va dire ça? On est au bout, on ne peut pas aller plus, alors que d'habitude, on y va. C'est ce fameux genou droit. Et j'en profite pour préparer les décollages, c'est-à-dire quand on descend sur le genou droit, vous avez le talon gauche qui se soulève. La poussée avec le genou. Voilà, on le sent la poussée. Pose le pied et maintenant on descend sur la jambe gauche. On monte. On redescend. Ce qui compte, c'est pas l'amplitude du mouvement. Ce qui compte, c'est de sentir le mouvement et le travailler juste. Rien que le fait d'amortir la descente,
permet déjà un contrôle avec les muscles, les tendons. Oh. Ah, ça le fait bien, hein, en direct. Je veux quand même revenir à reprendre mon petit bâton pour montrer quelque chose comme d'habitude. Quand je dois faire ces exercices, hein, vous ne vous trompez pas. Il ne faut jamais partir avec les genoux, soit à l'intérieur, soit bien sûr à l'extérieur. Ça, c'est tout faux. Et ça, c'est tout faux. On doit avoir ce plan, là. Et le genou part dans la direction du pied. En fait, quand on veut visualiser est-ce que le genou va bien, c'est dans cette manière. Et on sent que la cuisse frôle le bâton. C'est normal. Parce que lorsque la cuisse touche, ben, faut pas aller plus bas. C'est le moment de remonter. On pourrait être encore plus. Ah, ça c'est la façon de parler de l'équilibre. Et on pourrait être encore plus clair là avec le fait de pouvoir mettre les deux ici. Et le but étant de passer. Ça fait comme un guide. Si je mets les bâtons, c'est pour qu'après on puisse se représenter ce schéma-là lorsqu'on n'a pas les bâtons. C'est là où on va imaginer les bâtons et on va faire l'exercice. Ça réveille. Après, vous connaissez tous, on a tous fait comme ça à l'école. Oui, d'un côté et de l'autre. Bien. Et maintenant, le petit travail d'équilibre, c'est bien sûr le fameux coup de talon qui est un classique. Ah, il y a je vais mettre le chat. Et bonjour Photomask. Ce matin, je vais travailler un petit peu l'équilibre. Avec ce geste, le geste, on ne peut pas partir comme ça directement en équilibre. Bonjour Jean, je me suis échauffé le genou, j'avais mal à mon genou droit, c'est fait. Et maintenant, je vais entraîner l'équilibre en profitant du fait que ma caravane est complètement penchée, elle n'est pas du tout de niveau, et pour moi, c'est une difficulté de plus. Donc, on va descendre, je vais faire ce mouvement-là. Là, ouvrir le coup de talon, revenir, poser. C'est ce mouvement qu'on va faire. Il n'est pas compliqué, simplement, il a besoin de beaucoup d'équilibre pour arriver à le faire bien jusqu'au bout. Description du mouvement. Donc, d'abord, on descend. Ensuite, en tournant le bassin, donc on est toujours en train de descendre sur la jambe gauche dans le but de décoller le pied droit. Sur la descente, hop, le talon se soulève. Et là, au niveau imaginaire, vous imaginez que c'est la main, c'est le dos de la main qui entraîne, comme s'il y avait une espèce de fil qui entraîne la jambe, ça y est. Ensuite, là, vous ouvrez, mettez la pointe des pieds en avant, ça donne une forme, et là, vous avancez
vous avancez le talon. C'est pour ça qu'on appelle ça un coup de talon, comme si on voulait donner un coup avec le talon. Quand c'est fait, vous revenez, reviens en face et on pose. Ça y est, mm-hmm. Ouais. Je regarde Jacqueline pour voir si ça a l'air cohérent. Ouais, c'est bien. Ok. C'est bien. Alors maintenant, on va essayer de le faire avec la rotation du bassin, puisque c'est le bassin qui tourne, qui entraîne la main. Sur la poussée, le bassin tourne. Là, on est tout en haut. Et le pied. Et on pousse, là on sent là, le muscle, là, il ne faut pas aller, hein. Là je triche, là je suis sur la chaise. Maintenant, même chose, mais avec la jambe gauche. C'est la main gauche qui appelle la cuisse gauche. Et sur la montée, ça monte. Quand on est en haut, on ouvre. Pointe des pieds en avant, ça donne l'angle à la cheville. Et on pousse avec le talon. On revient. Revenir en face. Poser. Poser la pointe et le talon. Et on fléchit les genoux. Pas mal, hein? Donc, on a fait l'exercice une fois à droite. On a fait l'exercice une fois à gauche. Donc, maintenant, on va faire le mouvement continu, c'est-à-dire une fois à droite, revenir, poser. Une fois à gauche, revenir, poser. Et le but est d'avoir des mouvements fluides, circulaires, en ayant une montée, tourner le bassin et une descente. C'est le bassin qui donne l'orientation. Donc, je rappelle tous ces petits points de contrôle. Ça me permet de reprendre mon souffle. Donc. Même pour moi, c'est très difficile de coordonner les respirations. Eh bien, je reviens pour prendre la main, je vais m'asseoir 30 secondes. Oui, ça c'est ce genre de petit exercice, d'exercice avec les jambes. Il faut le faire de temps en temps.
Mais justement, il ne faut pas forcer. On n'est pas là pour le faire 10 fois. Vous savez, le gars qui dit, allez, on refait 10 fois le truc. Non, non. Une fois, on le travaille bien, une fois à gauche, une fois à droite. Et ensuite, on enchaîne gauche, droite, d'un coup, sans trucage. Non, si ça vous dit, ah, ça me démange. Bon. Vous avez compris, donc là. Maintenant, on peut s'asseoir. On peut rigoler avec la répétition du mouvement, mais en étant assis. Parce que vous avez vu les pieds, donc il n'y a rien de compliqué, y compris l'ouverture. Donc des cuisses, là, du bassin, le retour, il n'y a rien de compliqué. Et forcément, il faut qu'on puisse arriver à automatiser le mouvement avec les mains. Et on peut effectivement le mimer sur sa chaise. La main entraîne le genou. Ouverture. La jambe part. La main va au loin. Le coude se plie pour faire revenir la main. Et le bassin entraîne l'épaule qui entraîne le coude qui fait revenir la main. Et on pose. Même chose pour la main gauche. La main gauche entraîne la cuisse. Pour l'ouverture, le poignet tourne. On pousse, on attrape, ça revient. On est de nouveau au centre. N'oubliez pas, la petite combine dans cet exercice, c'est que c'est le dos de la main qui appelle la cuisse. Et là, de nouveau, le poignet tourne. Le poignet revient. Pourquoi le poignet revient? Parce que le coude se plie. On n'est pas en train de tirer sur son poignet pour le faire revenir. Quand la main s'en va, vous êtes au maximum. Maintenant, vous donnez l'ordre à votre coude de se plier. Vous pensez qu'à votre coude. Là, le coude se va en haut pour s'allonger. Et là, vous relâchez le coude. Et en fait, c'est la gravité, si on veut bien, c'est la gravité qui amène votre coude vers le bas. Est-ce que je me fais bien comprendre sur la sensation à avoir? Donc maintenant, vous avez compris ce principe. On comprend maintenant que lorsqu'on va pousser avec la paume de la main, la sensation de pousser fait que le coude se déplie. Arrivé là, il faut toujours avoir la sensation que le coude, enfin la paume de la main qui a poussé, elle ne va pas revenir comme ça. Ça ne se fait pas comme Tai Chi. Elle doit continuer, aller à l'horizontale et les doigts vont aller toujours dans le sentiment d'attraper. Vous attrapez quelque chose toujours. Mais vous avez beau faire ce que vous voulez, vous serez toujours à 2 cm de ce que vous avez attrapé. Et ça fait travailler l'épaule. Hein. Poussez. Revenir. Le coude se déplie, va vers le bas. Ça ramène la main. Et comme en même temps, le bassin tourne, ça donne ce mouvement, comme on dit, un mouvement circulaire. Vous attrapez, vous revenez. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, une fois qu'on a attrapé, quand la main revient, donc le coude se plie, comme on vient de voir de manière naturelle, sans même y penser,
Par contre, ce qu'il faut penser à faire, c'est à tourner le poignet. Parce que la main, quand elle revient, elle doit être, elle est donc paume face au sol. Mais quand elle arrive ici, elle doit être le dos de la main, donc la paume face au ciel. Il y a toujours ce mouvement, cette petite vrille qui se fait. Et c'est toujours pour se dégager d'une prise. Soit on attrape, ou soit en voulant attraper, on se fait attraper. Là, c'est pour ça que dans ce mouvement-là, vous avez bien compris que mentalement, au moment où je fais revenir l'épaule, le coude se plie. Au moment où le coude se plie, je fais tourner le poignet et lentement, et là, on va pour attraper, on revient. Si on sait qu'on doit baisser le coude au lieu de ramener la main, ça donne tout de suite un autre mouvement. Et comme celui-ci est coordonné avec la rotation de la taille, on attrape. Et après, comme on a vu dans le Tai Chi, quand on sait qu'une main avance, l'autre recule, du coup, vous commencez à comprendre qu'il n'y a plus besoin de réfléchir à qu'est-ce que fait la gauche, qu'est-ce que fait la droite. Vous savez que d'abord, on va pousser avec la paume pour attraper. Et là, c'est pour que ça revienne, c'est le coude qui se plie. Et bien sûr, pas oublier de faire tourner la main. Et maintenant, c'est là où ça devient l'exercice. Les deux mains, c'est parti. Une main revient, l'autre avance. N'oubliez pas de faire tourner les poignets. Une main revient, l'autre avance. Là, le coude se plie, et là, le coude se déplie. Une main tourne, l'autre aussi. Et là, quand vous êtes ici, toujours dans votre tête, checkez la position juste. Une main en l'air, enfin face au ciel, et une paume face à terre, c'est juste. Une main en avant, une main en arrière. On est dans la position juste. Après, il faut toujours baisser les épaules. Voilà. Grave erreur. Je vous ai dit, moi, Pimi, il a toujours les épaules en l'air. Il se faisait toujours reprendre par son prof. Et d'ailleurs, quand je me regarde en replay, c'est souvent ça que je me dis, mais qu'est-ce que tu as toujours ces épaules en l'air? Et maintenant, dans ce simple mouvement, trouver une forme de fluidité dans le mouvement. Donc, c'est pas l'amplitude qui est importante. Ce qui est important, c'est le mouvement. Ouais. Ok. Maintenant, dans le mouvement, je me remets debout. Et quand je me mets debout, je remets les pieds. C'est pour montrer maintenant qu'on va faire. On va faire la même chose qu'on vient de faire assis, mais on peut le faire debout. Tout simple. Alors pourquoi c'est plus simple debout? C'est plus simple debout parce que vous avez les genoux qui font amortisseur. Les genoux qui amortissent le mouvement. Chose que vous n'avez pas quand vous êtes assis. Et souvenez-vous aussi, dans les trucs de base, on ne fait pas comme ça, on est en train de danser le twist. C'est
une poussée, tournez le bassin, une descente, une montée, tournez le bassin, la descente. Et là, on peut, en fonction du genou qu'on a du matin, plus ou moins descendre, remonter, passer sur l'autre jambe, descendre sur l'autre jambe. Poussez, tournez, descente. Bien. Donc maintenant qu'on a poussé, tourné, descente, poussé, tourné, descente, maintenant on va coordonner ça avec attraper. Sur la poussée, on est en face. Quand on est en face, on a déjà la main qui essaye d'attraper. Et plus on descend, plus la main avance. Sur le retour, la main tourne. Et la main est ici. Donc hein, vous avez compris, la main gauche, on ne s'en occupe pas parce qu'on fait une main après l'autre. Pousser, la main tourne, attraper. Pousser, plier le coude, la main revient. Position de repos. Toi, tu me vois arriver déjà avec la main gauche. Hein. Monter. Ah. Monter, descendre. Monter, tourner, descendre. Monter, tourner, descendre. Maintenant, avec la main gauche. Attrapez. Ramener, tourner, descendre. Attraper. Pousser. Ramener, ça ramène la main. Le coude se plie. Et on y va. Les épaules en bas. Pousser, tourner. Attraper sur la descente. Pousser, le coude se plie et le poignet se retrouve paume face au ciel. Voilà. Ça c'est fait. Et maintenant, on va coordonner les deux à la fois. On y est ? Alors, peut-être pas forcément les genoux, mais là, avec les bras, ouais, justement. Ouais. Alors, moi, je vais mettre juste. Ouais, comme ça, c'est bien. C'est juste aussi pour montrer que les pieds ne bougent pas. Ou alors, sur ce coup-là, je vais le mettre comme ça. Ouais. Là. Ah oui, puisque vous avez vu en détail toutes les différentes phases de l'exercice. Maintenant, on commence à attraper avec la main gauche. Quand la main gauche revient, elle croise la main droite qui, elle, va attraper. Sur la poussée, les mains se croisent, les poignets tournent. La poussée, attraper avec la main droite, descendre. Pousser, ramène, tourner, descendre sur la jambe gauche, attraper avec la main gauche. Pousser de la main gauche, de la jambe gauche, les mains se croisent et on descend au moment d'attraper avec la main droite sur la jambe droite. Pousser de la jambe droite, ça ramène.
On tourne, ça descend sur le gauche, ça attrape à gauche. Et maintenant, le but est de le faire doucement, lentement, sans hâte. En ayant les mouvements le moins saccadés possible. Et comme toujours, quand on arrive au bout du mouvement, on marque la figure. Marque la figure. Vous voyez, ça donne ce petit que mon prof appelait rebond. Là, et là, le petit rebond. Redescend, et là, le petit. C'est donc sur la montée, la poussée avec la jambe, qui au niveau du bassin, fait tourner, au niveau de la hanche, fait tourner le bassin en sens opposite. C'est pour ça que quand il est là, il est bien pour redescendre là, le bassin. C'est bon. Et à partir de là, ça c'est la figure simplifiée, parpillée pour vous, hein, ce qu'on vient de voir. Mais je sais qu'il y a des petits malins, ils ont compris que la figure que je viens de vous expliquer, ça ressemble vachement à repousser le singe. Hein. Non. Mais tu trouves pas? Bon, fais attention. Enfin, pas fait attention. Non. C'est con, hein? Vous l'avez? Donc, à ce qu'on vient d'apprendre, simplement, une fois que la main elle est là, le poignet tourne. Ça met le poignet juste. Le poignet tourne. Et là, le creuset, donc les doigts, le poignet qui entraîne le coude. Et comme on est sur la rotation avec le singe, on attrape. On vient, on tourne. On attrape, on vient, on tourne, on attrape. Et ça se fait, bien sûr, avec les pas. On se retrouve donc au pas de l'arc, le poing sous le coude. Et là maintenant sur la descente. En tournant bien sûr sur la descente, on reconnaît la main qui attrape, la main droite revient, et au moment où elle revient, c'est bien. Il avance, tourner, c'est là où on va attraper, quand l'épaule qui va en arrière est en fait que le talon gauche se pose. Va se poser dans l'angle pour être juste. À ce moment-là, ça revient, ça marque, attraper avec la main gauche et attraper. Et là, on y est. J'espère que ces petites explications auront été utiles pour comprendre que les mouvements que vous avez ici, qu'on a fait dès le départ, sont des mouvements qu'on retrouve dans certaines figures du deuxième cycle. Quelle heure est-il? Oh, déjà les 33. Mais qu'est-ce que ça passe vite? Qu'est-ce que ça file? Ben moi, je me suis déjà bien fatigué tout seul. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je me suis déjà bien fatigué tout seul. Petit big up à
JC qui me suit sur YouTube en replay. Petit big up parce que. Ouais. Il y en a, ils se sont fait prendre au jeu. Attention, attention. Donc, bah vous savez comment maintenant ça se passe. 34, c'est-à-dire que je vais me faire mon premier cycle. On va faire ce qu'on connaît tous maintenant, pas par cœur. Hein. Mais si je dis maintenant, ma préparation mentale commence déjà maintenant. On va aller faire un premier cycle. Si je le sens bien, je risque peut-être de partir avec le deuxième cycle, un petit peu de porter le tigre à la montagne, le poing sous le coude, je ne sais pas. Allez, pas de petites ambitions ce matin. Déjà un bon premier cycle, bien dosé. Ben, quand on décide de faire un premier cycle, il n'y a qu'une seule chose à faire, il faut se lever et puis se mettre face au sud. Voilà, oh, décidément, les genoux se mettent. C'est pas ça. On est ready. Ready, c'est-à-dire au sud du sud. Elles sont pas plates, la carrière. Vraiment pas plate. On penche au sud-ouest. Alors, je n'ai pas besoin de faire 15 000 flexions parce que je me suis assez occupé de mes genoux ce matin. Ce que je vais m'occuper plutôt, c'est de les monter et des descentes avec les respirations. Souvenez-vous aussi que l'enchaînement doit se faire sans hâte. Il ne faut pas se dépêcher quand on veut faire ça. On n'est pas bien de se dépêcher de finir. Oh, je la sens bien. Alors, on va commencer tout tranquillement. Donc, à partir de maintenant, c'est le commencement. Saisir la queue de l'oiseau. Parer. Sud-ouest. La main sur la cuisse. Pour aller faire les quatre forces à l'ouest. Les quatre forces tirées. Pressez les deux poignets, tournent, les mains se rejoignent. Contact. Un magnifique chaudron magique pour ceux qui ont suivi le chaudron magique. Les mains se séparent et on l'a repoussé. C'est bon. Pas les mains qui avancent, c'est la jambe arrière gauche qui pousse. Et on maîtrise la descente sur la jambe droite. Ensuite, à partir de là, on va aller faire un simple fouet. Hop, le pied droit se soulève sur le talon. Et les orteils se regardent. On continue de descendre sur la jambe droite. La poussée ramène le pied gauche. On tourne le bassin pour ouvrir la fameuse ouverture qu'on avait vue plusieurs fois. Et ensuite, le talon, la ligne intérieure et la surface pour faire un simple fouet.
Maintenant, on va aller lever les mains au sud-ouest. On descend un peu sur la jambe avant gauche qui fait une poussée. Le pied tourne, gauche tourne sur le talon. On attrape au sud-ouest. Et la poussée avec le pied fait que ça arrive sur le talon et on a levé les mains. De lever les mains, on va partir à la grue blanche. Descendre un peu sur la jambe arrière gauche. Pourquoi faire? Pour avoir la poussée, pour faire tourner le pied droit sur le talon. Les orteils se regardent, on continue à descendre. La descente, la main gauche chasse et la main droite tape dans la cible. Sur la poussée, ça fait revenir la main. Il suffit de tourner le poignet et le mouvement se fait tout seul. Arrivé à la grue blanche, droite, gauche, droite, droite. On regarde passer sa main, gauche, droite. Et là, sur la montée, on déplace la jambe et sur la descente, on investit et on broche le genou à gauche. Ensuite, le pipa. On descend sur la jambe avant gauche. Ça ramène le pied de 10 cm, 20 maximum. La poussée sur la jambe gauche investit le pied droit. Et là, comme avec lever les mains, la poussée pour mettre le pied gauche sur le talon. Pied gauche en avant, main gauche en avant. Après, brosser le genou et le pipa. Après le pipa, on brosse toujours le genou une fois à gauche, puis le fameux gauche, droite, gauche. Brosser le genou maintenant à droite, c'est la main gauche qui part dessous, qui effleure. On pose, brosser le genou à droite. Je vais me mettre devant vous pour la suite. Je me réjouis de faire ça dehors, hein, vraiment. Voilà donc, brosser le genou à droite. Maintenant, brosser le genou à gauche. C'est donc la main droite qui est en bas, qui descend, pour effleurer la jambe gauche quand elle passe. Sur la descente, on pose le talon, on prend le champignon, et sur la descente, brosser le genou à gauche, on refait un pipa. Pipa toujours. Brosser le genou à gauche. Et là, on en arrive au fameux lancer de poing. On est gentiment à la fin. On a brossé le genou à gauche. Voyons comment est-ce qu'on va lancer le poing. Descends un peu sur la jambe avant gauche. Petite poussée pour soulever le pied sur le talon. Petite descente sur la jambe droite pour tourner le pied gauche. Poser, pousser, investir. Là, le pied gauche, le pied droit qui tourne sur le talon. Oui, c'est parce qu'il y avait les rideaux. Ça vient. Et là, pointe, talon. Et sur la descente, on investit le pied droit. Puis là, on se retrouve prêt pour aller faire un pas de l'arc. Donc, c'était juste pour la révision pour les pieds. Maintenant, je vais vous le refaire. On va le refaire ensemble. On reprend toujours depuis la figure d'avant, soit de brosser le genou à gauche. Là, au moment où vous tournez, de nouveau, vous avez la main qui entraîne le pied. En fait, c'est une main en protection, elle chasse, mais moi, je préfère dire elle entraîne le pied. Et quand elle est bien dans l'angle, là, le pied se pose, mais la main continue de tourner. Et là, la main droite, au moment où le talon décolle, la main droite se forme au poing.
Je vous ai mis la petite vignette en haut, là, du point. Lorsque la jambe avance, le point descend. Là, vous êtes dans une position bien spéciale. Parce que c'est complètement instable, les jambes sont beaucoup trop proches, enfin les pieds aussi. Donc tout de suite, on passe à bien plus agréable. La poussée permet d'investir. La descente fait reculer le point. La montée pour placer le pied. Là, le bassin est bien sur la droite et sur la descente. Ensuite, comme je vous ai montré, attraper. Ça tourne. Ça revient et on repousse. Et pour vous montrer maintenant les pieds, une fois qu'on a repoussé, donc on a le pas de l'arc. C'est le retour au sud, c'est-à-dire une main monte, l'autre descend, hein, vous comprenez comment c'est, et la main descente vient dire au pied gauche où se poser face au sud. Maintenant, elle est en bas, elle ne bouge plus, et l'autre main vient entraîner le pied droit qui lui se pose de la largeur des épaules, et on est bon pour l'autre au sud. Et c'est à ce moment-là qu'il y a donc la descente et on va faire après la poussée et le tigre. Mais comme il est déjà les 45, ce sera pour demain. À mes amis, spécial big up à vous qui me suivez tous les matins ou qui me voyez en replay, les deux me fait plaisir. Et puis, oui, je voulais juste dire que non, définitivement, je ne veux pas diffuser en direct sur YouTube. J'aime bien le côté très personnel de D-Live. Donc, je ne vais pas forcément... Je suis un chez l'or, joint. Je te mets déjà une minute de rab. Non, je déconne. Bon. Alors, il ne me souhaite rien, ce n'est pas encore. Il me reste à vous dire que demain, c'est samedi. Samedi matin, bien sûr, je serai là à 11h. Mais c'est vous qui avez un petit peu la parole de savoir si vous voulez qu'on révise quelque chose, s'il y a quelque chose que vous avez envie de voir en plus, en moins. Je vais être un peu plus attentif à vos demandes. Enfin, je serai complètement attentif à vos demandes. Si quelqu'un veut monter en live pour discuter Tai Chi, il sera bienvenu. Ah. Beaucoup Tai Chi, un peu spiritualité, un peu force, énergie. Moi, je suis preneur, mais vous avez compris que ce n'est pas ce côté-là qui, moi, me motive. Le côté aspect force énergétique, je suis dans le ressenti. Mais alors, commencer à vouloir expliquer tout ça, il y en a qui le font bien mieux que moi. Allez, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. Et on se revoit demain matin, 11h. A que tchuss, Jean. A que tchuss, Fantomasque.